Arrêt sur animé. Arrêt aujourd'hui sur Code Lyoko. Alors je vous préviens tout de suite, c'est mon dessin animé préféré de tous, ever, mon coup de cœur. Code Lyoko donc a été diffusé et produit entre environ 2003 et 2007 en France. C'est un dessin animé français. Les parties 3D venaient d'Angoulême, par contre les parties 2D venaient du Japon. Mais ça a été tout ça monté en France. C'était la société Antefilm Productions, très vite devenue Moonscoop, qui maintenant est rachetée par Mediatoon, ainsi que France 3 et Canal J. D'ailleurs, ces deux dernières auront diffusé le dessin animé, ainsi que France 4. Il y aura 4 saisons en tout, 95 épisodes, plus 2 de préquels. Alors l'histoire de Code Lyoko en 2 minutes top chrono, Jérémy, c'est un élève de 12 ans du collège Kadik, qui est un petit peu intelligent et qui souhaiterait construire des robots. Il va donc dans l'usine désaffectée, pas très loin du collège, pour aller chercher des pièces, sauf qu'il découvre une salle secrète souterraine, où il y a une salle d'escanner, des grands ordinateurs et surtout un super calculateur quantique. C'est énorme. Donc il décide de le rallumer, il arrive bien à le faire, et puis il découvre un monde virtuel qui s'appelle Lyoko, avec une petite fille qui habite dans ce monde virtuel qui s'appelle Aelita. Le monde virtuel est divisé en 4, le territoire de la forêt, de la montagne, du désert et de la banquise. Alors ensuite, après, il va demander à ses amis Ulrich, Odd et Yumi de l'aider, car il aimerait en fait faire venir Aelita sur Terre, parce qu'il se doute bien qu'elle était peut-être terrienne avant, puis il est un petit peu amoureux d'elle aussi. Donc ils vont essayer de se battre durant la saison 1 pour cela, sauf que Xana, un monstre virtuel, un programme virtuel qui est dans le supercalculateur, va essayer de leur en empêcher, car il a un petit peu pris trop d'intelligence et il va essayer de tuer ensuite le monde et de prendre le contrôle de la Terre et de l'espace. Et donc il va leur lancer sur le monde virtuel des attaques, et dans le monde réel ensuite, il y aura des monstres comme les cancrelats, les tarentules, les crabes ou encore les mégatanks, et plein d'autres. Et pour désactiver les attaques sur Terre et dans le monde virtuel, il faudra désactiver une tour uniquement par Aelita. C'est une histoire compliquée. Ensuite, lors de la saison 2, elle sera enfin sur Terre, cette petite, sauf que du coup, elle aura un virus, donc il faudra trouver l'antivirus, il faudra aussi comprendre son histoire avec Franz Hopper, et on aura un nouveau personnage, William, qui aura une importance grande dans la saison 3 et 4, car dans la saison 2, 3 et 4, on aura un nouveau territoire, le cinquième territoire, et dans ce territoire, William va être attrapé par la méduse à un moment donné, il va être enlevé en fait par le programme Xana, qui va prendre de plus en plus de puissance, à la fin, il sera presque même dans le monde entier, et c'est pour ça qu'à la saison 4, il y aura le Skid Blandnir, un grand vaisseau qui permettra d'aller dans la mer numérique pour désactiver Xana dans le monde. Alors en France, le dessin animé a été diffusé en exclusivité sur France 3, la première saison en 2003 dans l'émission TO3, la deuxième saison c'était en 2005 dans l'émission France Truc, et la troisième et quatrième saison, les deux dernières, seront diffusées en 2006 et 2007 dans l'émission Touam, sur France 3 toujours. Il y aura eu ensuite des premières diffusions sur Canal J, suivies de plusieurs rediffusions, ainsi que sur France 4 plus tard dans Ludo, et dans le monde entier. Et c'est pour ça que c'est culte, parce que même aux États-Unis, ça a fait un succès immense, avec plein de produits dérivés partout dans le monde. Code Lyoko, c'est culte aussi pour les personnages, pour tout le dessin animé, la musique, les décors. D'ailleurs, les décors 2D, 3D, je trouve que ça représente vraiment bien les années 2000. Bien dans son époque, quoi. D'ailleurs, le monde sans danger, on ne considérera qu'il n'aura jamais d'évolution dans le futur. C'était Arrêt sur animé sur Code Lyoko. Vive le bonheur et 12 millions de copains.